Bonjour, donc on va démarrer une petite session sur comment du papier au digital on est passé sur l'industrialisation de la production de solutions chez Arkema. Alors juste pour vous présenter les gens que vous avez en face de vous, donc pour ma part donc Tanguy Jouvet, donc je suis en charge de la région sud-est pour un intégrateur de solutions qui s'appelle Metsys, intégrateur spécialisé notamment sur les technologies Microsoft, et j'ai la chance d'être accompagné de Donc, Mathieu Consal, de mon côté, je suis architecte à la plateforme Digital Workplace et en charge aussi de toute la partie Digital Workplace, que ce soit la suite collaborative basée sur Office 365, la partie mobilité avec la gestion des devices, la partie aussi gestion des desktops et laptops et tous les services qui vont avec. Et juste pour info, j'avais présenté il y a 2 ans, pour ceux qui étaient là, notre programme d'adoption. Donc on avait à peine monté et sur lequel on avait visé des super objectifs. Et le programme qu'on avait monté sur l'adoption est actuellement en production de manière mondiale. Donc on est vraiment très content. Et on espère que la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est en cours de... Voilà, on a fait les premières prémices. D'ici 1 an ou 2, elle sera mondiale également. J'espère. Peut-être parler un peu d'Arkema, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Acteur chimie sur la partie innovation. Innovation des spécialités de matériaux. Donc ouais, on a à peu près 20 à 25 000 personnes. Alors, on a fait pas mal d'acquisitions depuis la slide. Voilà, à peu près sur Arkema. Et la page de pub me concernant, donc Metsys, comme je vous disais, intégrateur de solutions Microsoft, à peu près 300 experts en France, avec 10 agences pour plus de proximité. Et on intervient essentiellement donc, sur des solutions autour de l'intégration des solutions Microsoft. On va plus particulièrement parler aujourd'hui d'une practice qui s'appelle tout ce qui est business platform. Tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, petit agenda justement, je vais assez vite sur les slides, on n'a qu'une demi-heure malheureusement. L'objectif, ce n'est pas forcément d'aller dans la technique, mais surtout d'aller sur le retour d'expérience de comment ça se passe chez Arkema, cette production et cette industrialisation d'outils, d'où ça vient. Quels process on peut mettre en place, quels sont les écueils, quelles sont les bonnes pratiques qu'on a eues, et puis effectivement, comment est-ce qu'on peut accélérer avec un centre d'excellence pour aller plus vite sur certaines étapes. On va peut-être passer justement à comment ça a démarré, justement. Oui, du coup, en fait, alors je ne sais pas vous, hein, côté DSI, mais on a de plus en plus des remontées de terrain, des gens qui ont des idées sur la partie digitale, surtout d'autant plus avec la crise du Covid. Et nous, la DSI, elle n'est pas adaptée en fait, à prendre tous ces besoins. On a beaucoup d'adhérence et beaucoup de contraintes, beaucoup de processus. On est dans quand même un monde industriel. Ce n'est pas évident en fait, à avancer très vite sur des besoins spécifiques qu'on peut avoir sur nos sites. En termes de, la DSI est très, très bien vue chez Arkema. Voilà, on apporte vraiment un grand service à nos utilisateurs. On a 7,5 sur 10, donc on est plutôt bien vu, mais... pour répondre à ce type de besoin, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour ça, on monte ce qu'on appelle une digital factory. En fait, c'est une sorte d'IT bis, en fait, où voilà, on va respecter plein. On va mettre en chose des. Quoi, le but de cette digital factory, voilà, c'est d'essayer de trouver un petit peu les besoins business qui apportent le plus de valeur. Et nous, qui nous en demandent un minimum d'effort. Donc, ça peut être, par exemple, un camion qui arrive. L'opérateur, il mettait sur papier des informations sur l'arrivée du camion. Ensuite, c'était rentré dans SAP. Il fallait retourner voir le chauffeur, lui dire « c'est bon, tu peux y aller ». Quand il repartait, la même chose, etc. Là, voilà, on peut prendre une tablette, digitaliser assez rapidement maintenant avec les outils qu'on a, hein, et faire en sorte que ça se mette tout seul dans SAP et que le camion reparte tout de suite. Voilà, on peut gagner énormément de temps avec des solutions très simples. Et par rapport à ces premières expériences qu'on a eues, on dit, bon, bah, allez, on va essayer d'industrialiser tout ça. On est dans le milieu de l'industrie. Donc, le but, délivrer un maximum de valeur avec un minimum d'effort. Fournir, on va dire, un POC pour tester, vérifier que ça fonctionne bien. La deuxième partie, la plus compliquée, la mise à l'échelle. On est dans un milieu industriel, il y a quand même des règles à respecter. Donc, la mise à l'échelle avec l'industrialisation. Et trois, on va essayer de rationaliser pour essayer de trouver un ROI, en fait, sur nos développements. Pour faire la capitalisation. Exactement, donc avec un catalogue. Si je veux aller un petit peu plus comment ça marche, donc on fait pas mal de brainstorming avec les BU. L'important, nous, IT, en fait, le problème avec l'IT, on n'est pas un problème, on n'est qu'une solution, hein, mais c'est qu'on ne peut pas être là pour penser les processus de nos métiers. C'est à nos métiers de nous dire comment il faut faire, et nous, on va y répondre avec nos outils digitaux.
L'autre chose, c'est le feedback qui vient du terrain, c'est très très important. Et nous, tout ça, on a monté une gouvernance qui va étudier ses besoins. On a perdu l'affichage. On va étudier ses besoins, les poquer, les sélectionner. Donc, où j'ai dit, celui qui apporte le plus de valeur et le minimum d'effort, on va les poquer, les mettre à l'échelle en les industrialisant et en les rationalisant, en les mettant dans un catalogue applicatif ou un catalogue de solutions. Si je veux rentrer un tout petit peu dans le détail sur la partie POC et la partie industrialisation qui est le plus compliqué, en fait, le POC, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est la guerre des étoiles. Donc là, par exemple, la personne, elle voulait mettre ce qu'il y avait sur le papier du camion qui arrivait dans une application. Mais derrière, il voulait en plus pouvoir renseigner certaines choses. Il voulait prendre des photos du camion s'il y avait des choses qui n'étaient pas conformes. Il voulait des dashboards pour dire combien de camions il avait fait dans la journée, combien il en avait refusé, pour quelles raisons, etc. C'était assez vaste, les besoins du coup qui nous étaient venus d'un point de vue digital. Donc le but, c'est de définir ce qu'on appelle la MVP. Hein. C'est quelle est vraiment la valeur business sur laquelle on veut répondre. La mettre en place, non pas en un an ou deux ans, parce que on n'est pas dans le mode IT standard, on va dire. On va essayer de répondre très rapidement, en mode agile, avec cette... On monte une squad, en fait. Et le but, c'est de répondre à 1 à 3 mois maximum sur le besoin du business. Et l'une des choses les plus importantes, c'est d'impliquer le business. Parce que le business, il fait sa demande. Et puis lui, il attend de voir que ça fonctionne. Ça ne marche pas comme ça. Là, on peut prendre jusqu'à 50% du temps d'un opérateur ou d'une personne sur site pour travailler avec nous. C'est-à-dire que le business s'implique, il investit du temps, donc il travaille avec nous et il fait en sorte que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment important. Et le POC, par contre, on le fait de manière complètement déconnectée de l'environnement IT industriel. Donc on peut prendre quelques briques si ça nous aide à aller plus vite, mais on le fait de manière déconnectée. Le plus compliqué, c'est la mise à l'échelle avec l'industrialisation. Pourquoi ? Bah, c'est là où on va se rendre compte un petit peu des dépendances. Il faut que notre solution fonctionne dans l'environnement industriel. Donc ça peut être des milieux à texte, milieux explosifs, ça peut être des milieux avec de la poussière, etc. Il faut aussi que ça fonctionne avec notre IT. Bah, ouais, les règles de cyber, les règles de connexion Internet, les règles de ci, les règles de là. On a plein de process dans tous les sens, c'est un petit peu compliqué. Donc l'industrialisation, elle, peut prendre un peu plus de temps. Et on a la partie aussi contractualisation, etc. Donc là, le but, c'est vraiment d'avancer sur notre MVP, de la réaliser assez vite au niveau du POC, l'industrialiser, quitte à ce que ça prenne un petit peu de temps. Et une fois qu'on a fini tout ça, on va rationaliser donc, avec un catalogue de solutions pour essayer de rentabiliser au mieux notre solution. Alors Mathieu, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi en fait. C'est pas du tout pour moi cette partie qui me semble la plus complexe. C'est comment est-ce que je passe de l'idée à la solution ? C'est justement dialoguer avec les métiers, de mon point de vue. Hein. Mais après, effectivement, l'utilisation est une autre problématique. Mais on va refaire un petit zoom sur comment ça se passe de l'idée à la solution. Et je vais juste reprendre une définition. Aujourd'hui, il y a différentes initiatives dans la digitalisation des processus. Il y a deux initiatives. Il y a l'initiative Citizen Developer. On prend une plateforme, on la met à disposition des métiers pour qu'ils fassent joujou avec. Certains métiers vont arriver à construire des choses, des outils qui vont leur permettre d'accélérer un peu certains process. Et puis on a l'autre initiative qui s'appelle l'initiative un peu Frontline Worker, où c'est la DSI qui va être le producteur de ces solutions. Aujourd'hui, dans le contexte Arkema, on est plutôt dans l'approche Frontline Worker, l'approche qui a été définie chez Arkema, qui consiste à mettre à disposition des outils industrialisés et justement sur lesquels on peut capitaliser. L'initiative Citizen Developer, en fait, elle revient en général, après cette étape-là, où on a évangélisé un petit peu tous nos métiers, et nos métiers peuvent du coup prendre le pas sur la création d'outils simples qu'eux-mêmes peuvent utiliser de leur côté. Alors, comment est-ce qu'on passe effectivement de l'approche de ce que veut un métier à une solution ? Le plus simple, en fait, c'est de les écouter. Oui, ça paraît bête, mais effectivement, c'est de les impliquer. Et sans ces métiers, en fait, c'est vraiment ça paraît peut-être évident pour tout le monde, mais sans la participation de ces métiers dès les phases de spécification, on n'arrive pas très loin, en fait, et puis on arrive même sur des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils attendent. Alors, une fois qu'on a émis l'idée, que l'idée a été validée par la Digital Factory, parce que justement, elle apporte une plus-value, hein, on l'a vu tout à l'heure, la ressaisie des informations, comme le disait Mathieu, quand on fait
l'arrivée d'un camion, donc c'est essentiel. Et donc on a cette première phase de formalisation de spécification qui va permettre, alors ça c'est la version avec le texte, la version avec l'image, c'est d'éviter ça, c'est effectivement d'éviter d'avoir une différence entre ce que le métier voulait et ce qu'on va produire. Et cette phase-là, malheureusement, elle est... cette phase-là, en fait, elle est essentielle. C'est peut-être la phase la plus importante dans la réalisation d'une solution. C'est de bien écouter le métier pour arriver à quelque chose d'utile et fonctionnel. Et alors, comment est-ce que nous, on procède en général dans ce genre d'étapes ? On arrive avec des templates prédéfinis, prêts à l'emploi, assez simples. On n'a pas besoin de faire des spécifications à 250 pages. Comme le disait Mathieu, en fait, on est sur des processus qui vont être digitalisés entre 30 et 40 jours, effectivement, de temps. Calendaire, hein. C'est pas 40 jours de charge, vous inquiétez pas. Et sur lequel, effectivement, on a besoin de réaliser ces spécifications selon un format synthétique, mais défini. Et la deuxième étape, avant de passer à la partie solution, version texte, je vous fais la version d'image, c'est comme disait Mathieu, si vous allez voir un métier va vous demander la guerre des étoiles. Et comment est-ce qu'on fait ? Donc, plutôt que de procéder effectivement par des petits bouts qui vont former un produit qui ne fonctionne pas du premier coup, on part sur un MVP avec des méthodes de priorisation simples. Là, c'est la méthode Moscou, mais aussi la méthode RIS, qui permet effectivement de voir quelles sont les features qu'on va développer tout de suite et qui permettent d'aller progressivement, sans trop d'engagement, sur un MVP jusqu'à une solution industrialisée. Donc, c'est le petit cheminement en vert. Ça, c'est le process. Maintenant, on a les specs, on sait ce qu'on va vouloir faire, on a les différentes versions. Maintenant, quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser pour digitaliser un processus entre 30 et 40 jours calendaire ? Deux solutions que tout le monde connaît à peu près. Aujourd'hui, on peut soit utiliser une solution sur étagère, le plus souvent en mode SaaS, puisque c'est la tendance aujourd'hui. Donc, quel intérêt ? Oui, c'est disponible tout de suite. Effectivement, on a moins de 30 jours calendaire. Par contre, on est sur... des solutions qui ne sont pas forcément très flexibles. Comme le disait Mathieu, on en met plusieurs à disposition, on va avoir une hétérogénéité dans les solutions au sein de l'IT, pas forcément la meilleure solution. Et si je peux rajouter, elle nécessite des prérequis en fait, auxquels vous n'avez pas pensé, vous, côté IT. Des sous ? Pas que les sous, non, mais des prérequis spécifiques. Donc accéder, il faut faire des ouvertures de flux un petit peu peut-être compliquées, il faut avoir des... Un device en fait pour consommer cette application SaaS peut-être qui est disponible que sur Android et vous étiez parti sur de l'iOS ou voilà, donc des fois on peut avoir des prérequis, on peut avoir quelques surprises et qui peuvent coûter cher. Mais c'est très bien quand même, hein. Je dis pas que c'est pas bien. Non, enfin, c'est pas adapté au modèle de factory à notre sens. Le développement de la réalisation de développement spécifique, ben, on l'a vu en fait, c'est antinomique avec tout ce qu'on a dit avant. Développer, je ne sais pas si vous avez déjà développé des solutions, fait développer des solutions métiers. On est en général sur des cycles assez longs qui peuvent avoir effectivement aussi un besoin de maintenance dans le temps, des coûts et une mise à disposition des solutions qui peuvent parfois être importants. Alors, est-ce que c'est la solution universelle ? Mais en tout cas, on en a une autre. Je ne sais pas si vous connaissez les plateformes applicatives sans code. Qui connaît les plateformes applicatives sans code ? Bon, en fait, on n'a rien inventé. Hein. Qu'est-ce que c'est une plateforme applicative sans code ? Eh bien, c'est comment je vais transformer un process en une solution sans avoir à faire du C#, sans avoir à coder, sans avoir besoin d'un développeur, juste avec des blocs et des cases. Alors attention, hein, ce n'est pas une solution magique, mais en tout cas, elle permet d'adresser facilement la digitalisation de processus simples avec des blocs réutilisables. Comme disait Mathieu, quand on veut capitaliser une fois qu'on fait un bloc customisé, on peut le réutiliser. Réduction des coûts, oui, parce qu'on ne fait pas de dev, on n'a pas forcément besoin de faire des tests sur la qualité du code, on n'a pas forcément besoin de débugger certaines choses, même si sur les solutions qu'on utilise parfois, on a des comportements bizarres et étranges. Et puis, en général, c'est un éditeur qui vous fournit cette solution et qui vous permet effectivement d'assurer son maintien dans le temps. Alors nous, chez Metsys, en fait, je vous ai dit Microsoft en introduction. Sans surprise, on utilise la Power Platform de Microsoft. C'est un environnement qui existe depuis officiellement sous le nom Power Platform depuis un an, mais qui en réalité, ça fait plusieurs,
presque une dizaine d'années que ça existe sous d'autres noms. C'est la base de Dynamics, en fait, pour la partie Power Apps, et la base de SharePoint pour la partie Workflow. Et les deux composants principaux à retenir, c'est Power Apps et Power Automate. Enfin, de toute façon, il faut juste retenir Power, parce que tout après s'appelle Power quelque chose derrière. Et ça, qu'est-ce que ça permet de faire? On va vous montrer un petit exemple derrière. Ça permet de digitaliser simplement un processus sous forme d'une application, d'un échange de données, d'une validation, d'un workflow, d'un tableau de bord. Et la puissance de la solution, c'est quoi? C'est bon, déjà, à Microsoft, il y en a presque partout. Je pense que si jamais je demande qui a de Microsoft ici, j'aurai tous les doigts levés. Mais c'est aussi que c'est sa capacité de pouvoir s'intégrer dans la plateforme 365, qui en général est présent chez 80% de nos clients, mais pas que. Aujourd'hui, tu parlais de SAP, il y a un connecteur natif sur SAP qui permet d'aller chercher de la data SAP pour l'intégrer dans Power Platform de manière sécurisée, avec un système qui va se baser sur un SAP on-premise, of course, bien sûr. Et même si vous avez besoin d'autres connecteurs, en fait, on a la capacité de créer très simplement, vous avez la capacité de créer très simplement des connecteurs. Les derniers qu'on a utilisés, c'était sur récupérer de la donnée depuis data.gouv.fr pour l'intégrer dans une application Power Apps. Et derrière, Power Apps, et je finirai parce que je pourrais en parler des heures, c'est que, comme disait Mathieu, en fait, c'est une apps, mais qui tourne sur tous vos devices. C'est-à-dire qu'elle tourne à la fois sur un desktop, sur une tablette, en utilisant même des features natives de la tablette comme le GPS, le lecteur de QR code, qui sont natifs, hein. Vous n'avez pas besoin de coder un QR code, en utilisant la prise de photo, on utilise même chez certains clients le lecteur NFC pour faire du time tracking sur les opérations et faire du lean derrière. Et bon, c'est un peu magique. Voilà. Donc voilà la partie technique qu'on a utilisée dans ce contexte-là. Alors, si on revient sur la partie factory, donc bon, là, c'est très orienté IT, mais la factory, de manière globale, comment elle fonctionne rapidement chez Arkema. Donc, on a cette Digital Factory qui est basée, en fait, de trois principales équipes. Donc, le corporate business. Donc, ça, c'est vraiment les gens qui sont là, qui savent construire des usines chez nous et qui connaissent le terrain, qui connaissent nos processus métiers. On a les gens du terrain, justement, le field business, donc ça peut être les sites, ça peut être les pays. Et on a la squad, la squad côté IT, donc c'est la squad qui va faire le développement. Si je vais un peu plus dans le détail, et aussi on a cette partie gouvernance qui relie les trois, qui elle est là pour sélectionner, comme je vous disais, les besoins, de définir les KPI pour dire est-ce qu'on a bien répondu aux besoins correctement, et définir aussi ce qui fait fonctionner le tout, le budget. Et donc là, si je vais juste, je fais un focus sur la partie gouvernance et la squad. La gouvernance, elle est composée donc du Chief Digital Officer, donc la personne vraiment encore chez Arkema qui gère toute la stratégie digitale du groupe, du Corporate Business Digital Officer, la personne côté Corporate Business, la partie côté site ou voilà les gens sur le terrain. On a un Global Product Owner qui fait partie aussi du business. Le Product Owner ne doit pas être l'IT. Voilà, sujet 1. Truc à dire sur la partie product owner, sur la digitalisation, ça ne doit pas être l'IT, ça doit vraiment être le business. Et en rouge, j'ai mis les composants de l'IT. Donc finalement, vous voyez, l'IT, c'est que deux parties, quoi. C'est un tiers des gens de la gouvernance. Donc on a le DSI et puis le squad leader, donc la personne qui gère les squads. Petite chose, au niveau budget, donc c'est le CDO, le CIO et le CBDO, en fait, chez nous, qui mettent au pot pour le développement des applications. Une fois que ces applications, alors j'en parlerai peut-être après, mais une fois que ces applications, on répond à un POC et que c'est validé par les KPI, qui sont vérifiés par le PO, et ben c'est jackpot, c'est le business qui a demandé qui paye. Si on ne répond pas avec les bonnes KPI, c'est le corporate, c'est le pot commun, en fait, qui paye le développement. Donc, ça force aussi un petit peu à sélectionner les bons besoins. Tout le monde s'implique parce qu'on a d'un côté le business, l'IT et le digital officer qui mettent au pot commun. Et si on ne répond pas correctement et on ne respecte pas les KPI, c'est eux qui payent et ce n'est pas le business. Donc, voilà, ça donne un petit peu de challenge. Côté squad, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au départ, la squad, vous n'avez qu'une personne. Vous avez le tech lead. Et ensuite, au fur et à mesure que les besoins arrivent, voilà, vous allez développer la squad. Donc, avoir en premier, après le tech lead, avoir des développeurs pour vous aider à développer. Donc, il faut que le tech lead il sache aussi développer. Il faut qu'il fasse un petit peu tout ça au tout début. Ensuite, vous allez développer le Scrum Master qui va être là pour, quand vous allez rentrer sur la mise à l'échelle, pour essayer de tuer les dépendances avec ce que vous avez au niveau IT, mais aussi côté business.
Vous avez le UX UI designer, vous avez le data engineer pour la partie données, gestion de la donnée, parce qu'on utilise un data lake, etc. La partie opérationnelle, c'est très important. Vous faites des applications, des solutions pour le business, mais derrière, il faut les maintenir. Ce n'est pas la squad qui va les maintenir, mais il faut quand même avoir le mindset de elles vont être maintenues. Comment je vais faire en sorte qu'elles soient maintenues avec le moins de coûts possible? La partie intégration, certification. Si je suis sur du SaaS et j'ai besoin de certifier ces applications, eh ben, il faut que j'ai une personne qui soit un peu orientée dans ce sens-là. Le contrôle qualité, ça peut être des applications pour hors plateforme qui ne nécessitent pas forcément de revue de code, etc. Mais un mauvais développeur, il peut quand même coder avec ses pieds et faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est bien d'avoir quand même une revue de qualité, si c'est possible. Et encore, si vous grandissez, avoir un proxy PO qui va sur site et qui est avec le global PO sur site, avec quoi, sur le terrain, pour vérifier que les besoins sont bien pris en compte. Quelques exemples. Je pense que c'est les tiens, les premiers à gauche, là, d'exemples. Oui. Tu veux commencer ou? Vas-y. Parlons des Arkema. Ouais, exemple Arkema. Donc, alors moi, je vais passer à ça tout de suite après. Là, c'est les. Ah, t'as changé. Ah non, c'est une vidéo, pardon, que t'as fait. Donc voilà, c'est un contrôle de chargement de camion. Donc, il se passe quoi? Voilà, contrôle de chargement de camion. Alors, je veux juste. Ah, si on peut faire pause là sur celle-ci. Je veux juste qu'on voit. Ah, là. En bas, vous voyez, en fait, on est dans le POC. On repasse à la slide. Et la personne, ici, elle sélectionne qui elle est. On ne l'authentifie pas, parce que authentifier dans une application, il y a tous les mécanismes de l'IT. Là, on est dans le mode POC, elle va s'identifier. Donc en fait, on va mettre la liste des gens, et la personne, elle s'identifie. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on bypasse ce qu'on peut avoir qui nous vient de l'IT et cette fameuse règle. Donc dans le POC, au moins, on va juste s'identifier, pas s'authentifier. Donc là, il va choisir, je pense, la personne. Ah, punaise. Voilà, connecté en tant que. Ensuite, il va choisir bah, quel type. Voilà, quel type, c'est les différents formulaires qu'il avait à disposition. Et là-dedans, il va compléter. On va la laisser, hein. Voilà, il choisit qui il est. Deux fois, trois fois. Okay. Alors, vous pouvez avoir différents rôles. Voilà, il choisit le type de formulaire qu'il veut prendre. Alors, normalement, c'est une tablette qu'il a. Et voilà, donc numéro de l'emballage, le poids, il remplit tout ça. C'est vraiment le formulaire papier qu'on. Voilà, c'est la MVP hein, qu'on remet là-dessus. On peut faire des petites checklists pour vérifier qu'il a bien rempli, pour contrôler, chose qu'on ne peut pas faire sur le papier. On peut aller rechercher des références, voilà, on peut proposer beaucoup plus de choses que ce qu'on peut avoir sur le papier, faire des petits workflows, etc. Donc c'est. Voilà, des chances obligatoires qui n'ont pas été répondues. Donc, voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et l'avantage, c'est que ce que vous faites développer là-dessus, alors c'est pas moi qui ai développé, mais ce que l'on a fait développer par Métis, c'est que c'est réutilisable à l'infini. Donc, là, ils l'ont fait pour le contrôle de chargement, mais il y a beaucoup de formulaires papier qui se ressemblent. En fait, c'est les champs qui changent, etc. Donc, voilà, ils vous le font une fois, et puis après, vous le récupérez, puis vous le démultipliez. Ce que je disais, tout ce qu'on peut capitaliser effectivement sur de partie des développements et ensuite aussi sur le Saint Graal, en fait, c'est créer un catalogue d'applications que les gens peuvent reprendre et peuvent décliner sur un modèle qui est le leur. Parce que chez Arkema, il n'y a pas qu'une personne qui va remplir des formulaires. Ça, c'est valable pour la France. Il y a aussi des équipes aux US. Et les équipes aux US vont potentiellement avoir besoin du même formulaire. Bon, déjà, traduire en anglais, bon, ça, on sait faire, c'est easy, c'est natif. Mais par contre, pas forcément les mêmes champs, parce que ce n'est pas la SNCF chez eux. Donc là, c'était juste la vidéo, effectivement, de test, de validation, sur la partie qualité. Vous avez vu, c'est bon? Vous avez vu l'équipe un peu que vous a présenté Mathieu, donc dans le squad, donc un squad leader, effectivement, avec tout plein de gens à côté derrière. Quand on démarre ce genre d'initiative dans une structure, pour aller vite, en général, on a besoin d'aide. Bah, c'est là que nous, on intervient. On intervient comment? Sur des modèles. En fait, on a développé un modèle qui est un modèle assez simple, qui est un modèle centre d'excellence, sur lequel on va réceptionner des demandes qui vont être des demandes de spécification, de création de solutions, potentiellement d'adoption, en fait, sur des approches de formation ou de communication sur l'initiative, pour dire au métier, bah voilà, il y a une super initiative, venez en profiter, vous allez gagner un peu de temps dans la digitalisation de vos processus, raconter les belles histoires de ce qui a déjà été fait chez Arkema, voire même des actions d'assistance et d'actions à la demande, bah, typiquement pour faire
évoluer en TMA une application qui est déjà réalisée, ou pour aller aider un citizen developer parce qu'il est bloqué sur un volet. Et donc toute cette approche, en fait, elle est sur une base de gestion des demandes. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un modèle d'assistance technique, on est vraiment sur j'ai un besoin qui arrive, il est qualifié, il est pris en charge, il est délivré, satisfaction client, etc. derrière. Donc c'est vraiment de manière à pouvoir aussi accélérer en fait l'initiative de digitalisation et de création de solutions en venant compléter, tu avais une équipe d'une dizaine de personnes, quand il y en a une qui est manquante, effectivement, de pouvoir aussi une solution de déport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, la Dream Team côté intégrateur, c'est exactement la même que celle qui était côté dans la squad, en fait, puisque... Ah, vous jouez le rôle de la squad. C'est ça. Oui, on n'a pas effectivement cette relation avec les métiers, mais on a à la fois des business analysts qui vont être capables, alors c'est des experts fonctionnels, on va plutôt dire ça, de comprendre ce que le métier veut. C'est-à-dire quand le métier il dit je veux prendre une photo ou je veux cocher une case, de pouvoir le retraduire en spécification, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on a des experts pour la plateforme, alors ce n'est pas des développeurs, enfin pas trop des développeurs, c'est plutôt des gens qui connaissent bien l'algorithmie. Non, ils ne sont pas développeurs. Des consultants UX/UI, parce que pour une solution qui soit utilisée, il faut qu'elle n'ait pas forcément besoin d'un mode d'emploi. Donc il faut qu'elle soit bien pensée. Et puis après, toute une série effectivement de process et de méthodes. Alors pour accélérer aussi les gens qu'on accompagne, c'est que ce qui est pas mal avec la Power Platform, c'est qu'on a aussi très rapidement des ABAC et qu'on met au métier justement, qu'on donne au métier, on dit voilà, combien tu as d'écran, combien tu as de sources de données. Alors après, c'est des ABAC, hein, y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu, mais quelles sont les fonctionnalités que tu vas utiliser, et donc ça va te coûter à peu près tant. Donc en fait, le métier, c'est déjà, avant même de commencer, vous pouvez prendre en photo, c'est faux, hein, tout ce qui est marqué dessus. Non, on a beaucoup travaillé dessus. C'est une première approche. En fait, il n'y a pas que ces paramètres-là. En fait, il y en a un peu plus. Et puis, de toute façon, on n'a pas mis les charges. Mais en gros, il faut considérer que ça va être quelques jours, 2-3 jours. Une application simple, ça peut être entre 5 et 10 jours. Et ensuite, vous multipliez par 2 à chaque étape. Et après, il y a la partie custom. Mais la façon dont on réalise derrière, c'est que comme on parle effectivement de méthodologie agile, c'est comment est-ce qu'on procède au développement. C'est une approche que nous, on a retenue, qui est assimilable à de l'agile, mais encore plus rapide, c'est-à-dire avec des cycles de développement extrêmement rapides dans lesquels le métier est embarqué. Alors, il y a un petit désavantage, c'est que ça consomme un peu plus de charge parce qu'on fait assez souvent des présentations métiers, mais l'intérêt, c'est que du coup, comme on avait des specs assez synthétiques, le métier reste embarqué tout au long du process. Et donc, on s'éloigne très rarement du besoin du métier. Et comment est-ce qu'on fonctionne? Mode agile, donc le principe, alors pourquoi il y a un camion? C'est que sur chaque sprint d'une semaine, on va charger le camion à fond, avec tout le backlog, donc tous vos items, jusqu'à ce qu'effectivement le camion soit plein, et on délivre le camion sur une semaine. Donc ça veut dire que, en fait, c'est la méthode qu'on a eue, une méthode qu'on utilise, qui est une déclinaison des méthodes agiles, et à mon sens, la méthode la moins risquée et la plus intéressante pour embarquer sur ce genre d'approche de digitalisation et de création de solutions. Ouais, la partie qui est importante, c'est la partie le cycle qui revient, hein, parce que les specs, suivant l'avancement de l'application, le métier il peut revenir dessus en disant, ok, alors ça c'était bien, c'était intéressant, mais finalement c'est pas obligatoire, c'est obligatoire. Il modifie un petit peu, il tweak un petit peu les specs, et c'est vraiment le fait de l'embarquer, ça évite de repartir plus tard sur des itérations, comme si on était en cycle en V, où il dit, non, finalement ça me convient pas trop. Donc vraiment embarquer le business. C'est ce qui est le plus important. Et derrière, tu n'as pas parlé d'Azure DevOps? Oui, alors après, nous, on utilise des outils, effectivement, pour prioriser ça. C'est que les spécifications sont directement mises dans un outil qui s'appelle Azure DevOps et qui te permet de suivre de manière extrêmement simple les choses. Après, dans la partie développement et notamment sur la partie Power Platform, il y a quand même un défaut sur ces plateformes, la plateforme de Microsoft, jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas paralléliser les développements sur une application. C'est-à-dire que la personne qui développe une apps, elle développe l'apps. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui développent l'apps en même temps. C'est un problème technique, donc effectivement, c'est pour ça qu'on a des approches. On ne peut pas réduire non plus le temps de création des solutions. Voilà, en une demi-heure, effectivement, c'est très court, une demi-heure, pour vous expliquer tout ce qu'on a fait. Néanmoins, le résultat, c'est quand même plusieurs MVP et plusieurs applications qui sont en production. Pas tout à fait en production. Si, ouais, ça a commencé. Et pour aller plus loin, déjà, n'hésitez pas à poser des questions. Nous, on est au stand 33 ou même, effectivement, nous envoyer un petit mail. Nous, on a des choses pour tester ce genre d'approche, soit effectivement sur la création d'apps assez rapide,
soit sur la mise en perspective de comment ça pourrait s'intégrer, le dispositif de Power Factory, en fait, dans votre contexte. Et pour tous ceux qui viennent de poser une question au stand, ils ont deux applications gratuites, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Non, comme on est aussi proche de l'éditeur, en fait, ça dépend des contextes, mais on a des programmes, effectivement, C'est vrai ça. qui on a des, c'est vrai qu'on a des programmes de financement qui permettent de vous acculturer un peu à la solution. C'est pas, enfin, en général, ça, Microsoft attend un ROI derrière, mais sur certains contextes, on est capable d'utiliser ces programmes-là dans lesquels nous, on est intégré. Donc, ça peut être de la découverte de ce que ça peut faire jusqu'à petite mise en perspective dans votre contexte. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà. Moi, j'en ai une. Vas-y. La partie licensing, j'ai oublié d'en parler, mais Ouais, c'est important. alors. Donc, Microsoft, oui, ils ne viennent pas aider, par exemple, Metis a fait une application chez vous comme ça, hein. Donc, c'est par défaut, si vous avez des licences E1, E3 ou E5, il n'y a pas besoin de licence si vous n'avez pas de connecteur spécifique. Après, si vous avez des connecteurs spécifiques SAP, SQL, ou vous voulez manager du fichier, des templates de fichiers Word, etc., il y a des connecteurs spécifiques et là, il vous faut des licences dédiées. Donc, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est toujours plus intéressant que de garder le papier, quoi. Effectivement, sur des applications simples, il n'y a pas besoin de licence. Sur des applications métiers, on va dire qu'on a très rapidement besoin de ces licences. L'intégration, la sécurité aussi, parce qu'il y a un accès à des bases de données un peu différentes et qui peuvent nécessiter ça. Et après, l'intérêt aussi, c'est que du coup, c'est 100% intégré dans le SI, puisqu'en fait, c'est une seule apps qui permet d'accéder à toutes les autres apps, quel que soit le device. C'est intégré dans Teams. Et puis voilà. Bah, elles sont mieux, celles de Microsoft. La démarche est presque la même. Après, nous, notre expertise en fait se porte sur la plateforme Microsoft. Et le positionnement, je dirais, qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de nos clients ont déjà déployé l'Office 365. Et c'est l'intégration native enfin, de Power Platform en fait, vis-à-vis de ces outils-là. Donc, on n'a plus besoin de redévelopper la partie identité, c'est natif. Les datas sont déjà accessibles avec des connecteurs standards. Donc, la plupart des applications simples. Je sais pas moi, une application de gestion de salle de réunion, ce genre de choses, c'est, il n'y a pas besoin de licence. Et après, je dirais, c'est des plateformes no-code. Chaque plateforme a ses avantages sur certains volets et d'autres, quoi. Après, les picouzes et Microsoft, donc c'est normal pour Oui, la oui. plateforme. Mais si vous avez un gros travail à faire sur SAP. Non, mais Non, l'objectif, c'était pas de faire la promotion de la partie Microsoft. Excuse-moi, Mathieu. Mais non, mais il y a SAP. Si vous avez un gros travail à faire sur SAP, ils fournissent leur solution low-code, no-code. Donc. Voilà, si le gros du sujet il est sur votre plateforme SAP, parce que votre business que vous adressez utilise énormément SAP, bah, voilà, regardez de votre côté, vous pouvez monter exactement la même organisation, la plateforme peut changer. Après, on a parlé d'une squad ici, quoi. Je vous ai montré une squad, mais c'était marqué squad X. Vous pouvez en avoir 2, 3, 4, 5, et chacune leur plateforme dédiée, quoi. Et puis aujourd'hui, c'est quand même. Donc c'est assez récent chez Microsoft, hein, pour continuer sur ce volet-là. Mais c'est un exemple public. Aujourd'hui, le premier utilisateur en France de la Power Platform, c'est une société qui fait rouler des trains. Et aujourd'hui, en fait, on met cette technologie au cœur de tous les besoins de digitalisation des processus métiers. Après, c'est un choix d'entreprise. Et effectivement, chez vous avez peut-être pas forcément sur la Power Platform, ça pourrait être une autre techno. L'approche qu'on a donnée, elle reste quand même applicable en fait, et le retour d'expérience aussi. La technologie, c'est comme tu le disais en introduction, hein, c'est juste un outil pour répondre à un besoin, mais le plus important, c'est la façon dont on y répond. Pas d'autres questions? Eh bien, on n'a fini pas du tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Bon après-midi.